L'École normale supérieure de Caldas vous présente la compilation des contes Laisse-moi te raconter de John Freddy Henao Arias et Julio César Vanegas. Adaptation audio, Blandine Quino. La valeur de l'amitié de Maria Fernanda Rudén. Abel était un adolescent de petite taille, joyeux et optimiste, qui vivait dans une ville moyenne, un peu loin du lycée, mais qui ne manquait jamais l'école. Il avait toujours été intéressé par les sciences et la robotique, raison pour laquelle tous ses camarades se moquaient de lui. « Tu ne pourras jamais rien inventer », lui disait-il, « les pauvres ne peuvent pas être scientifiques ». Un seul de ses camarades ne se moquait pas de lui, Christophe, un jeune de son âge qui venait d'une famille fortunée de la ville. Christophe aimait beaucoup étudier, mais il avait beaucoup de difficultés pour mémoriser ce qu'on lui enseignait, parce qu'il avait des problèmes cognitifs. Cependant, Christophe était gentil avec Abel, et il écoutait ses histoires avec plaisir. Les autres disaient à Christophe qu'il ne pouvait pas être ami avec Abel parce qu'il était pauvre et solitaire. À Abel, il lui disait qu'il ne pouvait pas être ami avec Christophe parce qu'il n'était pas intelligent, mais ni Christophe ni Abel ne se préoccupaient des autres. Ils voyaient en l'autre une bonne personne. Ils étaient proches l'un de l'autre et se soutenaient mutuellement. Ils grandissaient ensemble et n'arrêtaient jamais de faire ce qu'ils aimaient voulant réussir tous leurs rêves. Un jour, le directeur du lycée annonça qu'un concours national de sciences était organisé et demanda si des élèves voulaient participer. Christophe leva la main et dit qu'Abel participerait. Abel, qui n'avait rien dit, le regarda surpris alors que les autres élèves se moquaient de lui. « Tu ne seras jamais capable, » dit l'un d'eux. Abel est juste un geek qui ne sert à rien, cria un autre élève au milieu des rires. Néanmoins, Christophe encouragea Abel, lui montrant qu'il pouvait développer l'une de ses inventions dont il avait eu l'idée et que, si c'était nécessaire, il parlerait avec les professeurs pour qu'ils l'aident. Abel accepta en voyant l'insistance de son ami. Il travailla tout un mois avec l'aide des professeurs pour présenter son projet au concours national de sciences. Pendant quelques mois, il n'eut aucune nouvelle du concours. Les autres élèves en profitèrent pour dire de mauvaises choses à Abel pour avoir participé et à Christophe pour l'avoir encouragé à participer. Toutes les moqueries arrêtèrent le jour où le directeur donna rendez-vous à tout le monde pour une grande cérémonie dans l'auditoire. À côté du ministre de l'Éducation nationale, il annonça qu'Abel était le grand gagnant du concours de sciences et qu'ainsi il remportait une bourse pour étudier dans une université une fois son baccalauréat obtenu. Tous les élèves furent surpris, alors que Christophe célébrait cette victoire en criant de joie. Au fil des années, les amis restèrent inséparables. Christophe eut son diplôme avec d'excellentes notes, et Abel devint un célèbre inventeur. Il savait dès le début qu'il ne fallait pas juger une personne selon les dires des autres. C'est pour cela que, malgré tout, ils accomplirent leurs rêves. Ils avaient juste besoin de croire en eux et d'avoir une personne qui les soutiendrait toujours.